ça y est, il veut bien filmer, il est en route. Bonjour, monsieur, dame. Parcours humoristique numéro 3. Je sais pas si on va vous dire grand chose, si en fonction de l'humeur. Nous sommes en visite. En visite. Dans des villages abandonnés. Abandonnés. Oui. Oui. Nous ne venons pas en tant que chasseurs de fantômes. Nous allons passer à Muscourt. À Muscourt. Le village où va débuter les musclés. Musclés. Un groupe mythique. Ah bon? Ben oui, chef, un petit verre, on a soif. Ah! Qu'est-ce que ça a à voir avec musclés? Ben c'était les musclés qui faisaient ça. Ah bon? Ben oui, bon. De Muscourt. Ah d'accord. Parce qu'ils s'entraînaient dans leur cours. Ils soulevaient des morceaux de bois, des troncs de bois. Alors ils sont devenus musclés. Ça me fait penser à muscle court. Je sais pas pourquoi. Nous allons prendre la direction de... Oh, une faucheuse, tiens. De Romain. Parce que Romain, c'est la mafia des... Tous les chemins mènent à Romain. Les Romains se battirent contre les Gaulois. Il en est ressorti la Gauloise. T'es sûr que c'est prudent d'aller là-bas, alors, le Romain, c'est tout jamais. Ah, on verra bien. Regarde, avec... Avec le support, le téléphone bouge moins quand même. Tout à fait, Thierry. Là, vous avez le reste des Romains. Ah, d'accord. Leur maison qui est effondrée. Il y en a qui ne voient pas clair. Coucou, vous êtes filmé, bonsoir. Et voici la mairie. Elle en jette, la mairie petite. Elle est très grande. Il n'y a pas beaucoup d'habitants en Muscourt. Ah non, non. Ah, vaut mieux parce que tu sais, la mairie, autant, il n'y a pas grand chose à mettre hein, dedans. Au niveau paperasse. Pourtant, un corps comporte beaucoup de muscles, mais là, il n'y a pas beaucoup de muscles. Oui, non, mais c'est muscle court, tu comprends? C'est, voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut vouloir dire en fait. Voilà. C'est vert. C'est vert. Nous allons emprunter la route de la montagne. Attention, il y a un zigzag. Le panneau, il a dit qu'il y a un zigzag. Là, c'est des gorges, presque. Ah, oh oui. Attention, hein. Ça va monter. Oui, attention, ça tourne. On peut le dire. C'est raide, même. Oh, c'est raide. On va faire pédaler fort. Hein. Ouais. Monter la côte. C'est quoi ces champs-là? C'est pour faire la moutarde, non? C'est quoi ça? C'est pas les champs qu'on dit qui sont mauvais, là? C'est pas ça? Qui fleurissent jaunes, là, tu sais? Non, 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 non. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était lui. À 19h, il y a le soleil, c'est formidable. Mais cette nuit, elle va faire beau. Cette nuit, elle va faire beau. Souvent, ouais. Le soir, le soleil est là. Il y a le ciel, le soleil. Ok. Vous l'avez déjà assez entendu. Bon, oui, alors. On s'est payé. Hein. Attendu, filmé, toi. Bah, on n'a pas payé cher, hein. C'est bien vendu la pêche. Ah, pas de doute. Il y a aussi un beau regard. Oh, que c'est joli, beau regard. Bon, ça commence mal, c'est pas très joli. Ah, voilà. Mais les pigeons? Il paraît que tous les habitants ici ont un beau regard, c'est vrai? D'accord. Beau regard. Belle habitation, là. Ouais. Voilà. Ah, c'est déjà fini? Oh merde, il y a la police, puis moi je filme. Coucou, vous êtes filmé. T'as vu? Les papas 22 sont dans la caméra. Voilà. Je suis gonflée comme nana quand même. Hein. Même si je m'appelle pas Vainé, je suis gonflée quand même.
J'ai pris les flics en photo. Il y a des bouquets. Ici, c'est le désert. Il n'y a rien. Si, il y a des champs de blé. Ah oui, mais il n'y a pas un arbre. Il n'y a rien. Ah, il y en a, là. Ah oui, mais qu'un seul. Il y a un arbre. Oui, tu me dis, il n'y a pas un arbre. Il y en a un. Il n'y a pas un virage. Il y en a un. Que c'est triste. Attention. Ça tourne. Encore un virage. Ah, ça, c'est normal. C'est quand même... C'est serpentard, ici. Hein. Encore une fois. On va dire qu'il n'y a rien. Hein. Je suis désolé. Il y a des milliards d'épis de blé. Ah ouais. Il n'y a plus d'orage, hein. C'est parti. C'est de l'orage qu'on a entendu hier soir? Non, non. Je crois que c'était un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice qui est en bas de chez moi. Allez. Oh, ça m'a énervé, j'ai fermé ma propre fenêtre. En plus, j'étais en train de faire mon rapport. C'est pas d'enregistrer mon rapport d'enquête. Voilà quoi, je voulais pas être enquiquinée avec le bruit. L'extérieur, il se passe déjà assez de choses comme ça. La nuit. T'avais un peu l'empreinte, toi? Ouais. Moi, je me demande ce que... Pourquoi moi? On veut me dire quelque chose, hein, j'ai l'impression. Exactement. Tu réveilles toujours un tas de trucs là. Oui, je réveille toujours un tas de trucs, c'est clair. Oui, il y en a pas. Ouais. Bon, ben, écoutez, on n'est pas très motivé pour. Bah, ça n'est pas des moments. Pour dire des grosses bêtises. On devrait aller à Cambrai pour en dire des bêtises. Pour en faire. Oui, allez. Bon, c'est pas grave, hein. Faites une balade avec nous, pour ceux qui visionneront. C'est pas dégueu, hein. Voilà, c'est joli, hein, comme parcours. C'est vert. Nous allons bientôt arriver à Romain Michel. À Romain Michel? Oui. Pas Romain Michel, alors? Non, le nom du canton. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Il a le look. Ah, il a le look. Michel. Alors, je baille, excusez-moi. Alors là, franchement, ah non, je croyais que c'était la vue superbe. Nous arrivons où là? C'est quoi ça? Romain? Ah, Romain, oh, on va pas se perdre, hein. Parce que chaque fois, au début, tu te rappelles, on se paumait. Oui, mais là, Romain, il est par cœur. Ah, t'as vu, il y avait un œil sur le poteau. Mmh. Bonjour. On est visé. Monsieur, reste pas là, hein. On arrive. Très bien. C'est calme à la campagne. Ils ont rentré les tables. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ils ont rentré les tables. La brocante, c'est terminé. Je sais pas s'ils ont oublié. Tiens, regarde là, il y a un stand là. Ah, oh, il y a rien. Ça y est, ils ont fini. Hein. Ouais, il est 19h. Ça s'arrête à 18h. Bon, il n'y a pas un truc pour nous stimuler là un peu là qu'on puisse parce que nous on démarre sur des chapeaux de roue dès qu'il y a quelque chose un petit peu là. Coucou, t'es filmé, salut. Ah, mais c'est là qu'on avait vu les data, là. Ouais. C'est là qu'ils étaient les data, là. Oui. Comment je parle, comme une gamine. C'est une des premières de 204. Elle est 67-68. Elle roule toujours.
vite fait. Mmh. Donc à 25 ans. C'est la voiture de pompier. Ben, il n'y a plus. C'est toi qui dis ça, les voitures de pompier. Oui, ouais. La route, elle est mouillée. Je crois qu'il retombe des gouttes. Oui, oui. Mais il peut bien avoir tout le monde. En fait, pourquoi il y a de l'orage? Pas si chaud que ça. Je sais pas. On va aller à Reims, je suis sûr que tu peux avoir. T'as vu les inondations? Oh là là, catastrophe. Ouais. Oh là là là. Quand même, c'est pas. C'est pas fini parce que. C'est pas drôle ça. À Paris, ça va mieux, mais plus loin, ça y est. Il y a une paire de personnes mortes. Les pauvres gens. Surtout que. Là, ils n'ont jamais vu ça. Il y en a, ça, ils l'ont vécu plusieurs fois. Ouais. Tu sais, le chasseur fantôme, Laurent Adzeri, ouais, qui a fait l'enquête au château de Fougeray, il a mis des photos sur son Facebook. Oh, mais c'est quoi ça? Il montre justement son habitation. Tu verrais, toi. Inondé, hein. Putain, je vois plus rien. Elle est vraiment bizarre, cette voiture-là, parce que regarde, côté chauffeur, on ne voit rien. C'est à l'extérieur. Les ventes. Là, je vois plus rien du tout. Ouais, alors comme je l'ai en ami, j'étais voir un petit peu dans ses photos et il a montré. Son habitation est trempée, et autour dehors, tu verrais les inondations. Oh, ça fait mal au cœur, hein, les gens qui ont des maisons. Et puis, quand il se passe des choses comme ça, c'est. C'est lui qui a eu un problème de santé? Non. Non. Celui qui a eu un problème de santé. C'est paranormal du 24. Ah oui, c'est bon, ce matériel. Voilà. Oh, il est bien, lui. J'aime bien. Jean, monsieur, vous êtes filmé. Non mais quand je regarde il y a un truc qui déconne, je sais pas si c'est le contact ou quoi. Ouais. Parce qu'elle s'arrête, elle se met en route, elle s'arrête, mais c'est bizarre. C'est peut-être la prise avec la batterie qui tient pas bien dans le. Mais oui, justement, c'est pour ça. Je vais la garder. On a le chic, c'est d'aller dans les cimetières et de trouver quelqu'un et de faire la causette. Surtout que là, bizarrement, tu me dis, tiens, il y a une personne de notre. Tu m'as dit qu'il y avait des personnes dans lesquelles il a vécu. Ouais. Et puis bizarrement, on était à la recherche de trucs. On n'a pas envie de venir.
c'est bien de bouger. Et même là, sur le courant du Mélenchon, j'ai un rouge. Non, il y a ça. 6-7 km. Dans les cimetières, c'est fou. Et en plus, où on était, l'ancienne tombe où je m'étais placée, c'est le prêtre, oui, qui est décédé, le prêtre qui du village. Mais le prêtre de cette fameuse église, apparemment, qui est détruite. Parce que t'as vu la... Je regarderai sur la vidéo, là. Mais la tombe, elle est hyper ancienne, hein. Donc, Tu sais qu'il y avait la gare, hein. C'était les plans qu'elle logeait sur... C'était avant la guerre, il me semble. Avant la guerre que j'en sais.